Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous accueille sur le circuit karting de Alforsan. Voilà, vous pouvez voir derrière moi un magnifique circuit qui est aux Émirats Arabes Unis. Donc on va aller faire un petit tour ensemble. Vous verrez, le circuit est assez sympa, un petit peu piégeur. Donc on se retrouve juste après, bye bye. I got broads in the land, just to be in the fan, credit cards in the scams, in the looks in the band, legacies. Et les amis, on est parti sur ce magnifique circuit. Donc pendant que les pneus chauffent, je vais juste vous parler un petit peu de ce centre voilà, magnifique aux Émirats Arabes Unis à Abu Dhabi. Et puis dès qu'on aura bien chauffé les pneus, donc au deuxième tour, je vous ferai un petit circuit commenté. Et puis je vous dirai un petit peu mes impressions sur ce circuit. Donc la piste de karting se trouve au milieu d'un complexe sportif où vous trouvez pas que cette piste, hein, vous trouvez aussi du paintball, des jeux d'eau, de l'équitation. On a aussi la possibilité de faire du tir à armes réelles ou du tir à l'arc. Vous avez aussi une arène de basket, du fitness, de la muscu. Voilà, c'est vraiment un complexe super agréable. Vous pouvez passer toute la journée sans problème. Bon, nous, on la passe au karting ensemble. Voilà, ce karting est conçu et homologué par la Commission internationale de karting, qui est l'organisme international agréé par la FIA pour les courses de karting. Et le circuit a obtenu la plus haute catégorie disponible dans sa catégorie, justement, permettant ainsi à Alforsan d'accueillir les futurs championnats du monde selon les plus hauts niveaux et normes de sécurité les plus strictes. Voilà, donc c'est vraiment un circuit super super agréable. Vous voyez, en plus avec ce magnifique soleil, piste de 1,2 km. Voilà, que je vous propose de commenter maintenant que les pneus sont bien chauds, enfin je l'espère. Voilà, sur cette magnifique ligne de départ. Et la plus grande ligne droite du circuit, voilà, on arrive à peu près à une pointe de 70 km/h sur les kartings de location avec un double droite. Ici on relâche juste un petit peu, sinon ça passe à fond, mais on relâche pour pas être projeté sur la gauche. Et on enchaîne sur un virage gauche puis droite qui passe sans problème à fond. Petit bout de ligne droite pour reprendre de la vitesse et l'arrivée sur le pif paf qui lui aussi passe plutôt bien. Premier gros freinage, virage à droite sur encore petit bout de ligne droite avant une épingle. Voilà, freinage un petit peu appuyé ici et on reprend de nouveau une belle ligne droite pour arriver sur la parabolique, voilà, qui se prend à fond sans problème. Vous ressortez bien à gauche et là on est sur mon enchaînement préféré, double droite ici. On relâche juste un petit peu et ça passe également à fond. Vous pouvez monter sur le vibreur. Ici, l'épingle qui est pour moi la plus difficile, ça ralentit énormément le karting. Voilà, et l'enchaînement de virages où vous pouvez très largement manger les vibreurs. Voilà, là on prend bien sur la droite et on fait les derniers virages ici d'enchaînement gauche-droite pour se retrouver sur la ligne d'arrivée. Et je vous laisse regarder les fights avec mes concurrents.
Bon voilà les gars, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous donnera envie d'aller faire un tour au circuit d'Alforsan, n'hésitez pas à venir si vous êtes dans le coin pour qu'on fasse un petit tour de piste ensemble, n'hésitez pas à commenter, voilà, si vous aussi vous avez déjà fait le tour de ce magnifique circuit, même voir nous donner vos temps si c'est le cas, sachez que moi j'ai fait une 16-760, c'est mon meilleur temps actuel, mais on va, je n'en doute pas, l'améliorer. Rapidement, c'était nos premiers tours de roue. N'hésitez pas à liker, merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine sur le circuit d'Alforsan. Bye bye.